Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je t'apprends comment réaliser un rendu réaliste d'une boîte de Coca-Cola dans V-Ray Sketchup. Sans plus tarder, nous nous dirigeons sur mon ordinateur. Voilà. Et voici ces boîtes que j'ai préalablement dessinées. J'espère que ça ressemble à des boîtes de Coca-Cola. Voilà, donc la première des choses, nous allons essayer d'adoucir. J'avais pas bien adouci, donc je vous montre comment adoucir les arêtes. Donc vous rentrez dans adoucir, allez, on augmente. Voilà, on active l'adoucir. Voilà, adoucir les faces. Ok, j'espère que lui aussi il est adouci. Ok, voilà. Donc après ça, nous partons dans le traitement des matériaux verrés. Donc pour ça, je vais essayer. Ok, voilà. Ok. Je viens là, je sélectionne la couleur que je veux. Et là, je viens dans diffuse. Dans diffuse, je pars changer au fait le matériau en question. Donc, je pars chercher une image que j'ai déjà téléchargée, une image de boîte de Coca-Cola. Donc, je viens, je le sélectionne. Allez, et je le mets à zéro là. Ok, voilà, ça a pris. Je vois que. Là, il y a un petit souci, donc je change juste la couleur, je mets la couleur rouge. Voilà, je vois que ça marche. Donc, nous allons passer maintenant au traitement des matériaux. Donc, je sélectionne lui et je viens. Généralement, les boîtes de Coca-Cola sont super réfléchissantes. Donc, je viens, j'augmente la réflexion. Donc voilà, ok, je le mets au fond. Je diminue un peu le filtrage et je multiplie au fait la réflexion. Ok, je diminue un peu. Voilà, vous voyez comment ça prend. Et après, je viens, je fais la même chose pour l'autre. Je sélectionne. Voilà. Et là. Voilà, je diminue la filtration comme l'autre et j'augmente la multiplication de la réflexion. Ok, voilà. Et généralement, vous voyez que au-dessus des boîtes de Coca-Cola, c'est super réfléchissant, comme si c'était le miroir. Donc, nous allons essayer de faire ainsi. Ok. Ok, pour ça, voilà, c'est la couleur noire. Donc, je viens au niveau de réflexion. C'est là, je vais tout arranger. Donc, pour ça, je vais filtrer. Voilà, la filtration, c'est pas mal. Et je mets à 60. Voilà, pour avoir un peu l'aspect de miroir. Voilà. Et aussi la filtration pour augmenter, voilà, pour que l'aspect soit vraiment original. Donc après ça, hop, voilà, voyons, voilà ici, comme si c'était de vin de jus qui était un peu versé. Donc on va arranger ça. Donc pour ça, je viens aussi dans réflexion, j'augmente un peu la réflexion, voilà, je multiplie, je vais diminuer la filtration, ok, je diminue encore, et là, je diminue la multiplication de la réflexion, ok, je crois bien, ça marche. Après ça, nous allons donner quelque chose là, l'aspect.
auxquels ces trucs sont posés là-dessus. Donc, pour ça, je pars chercher dans les matériaux de verrerie lui-même. Pourquoi pas choisir ça? Allez, je le glisse ici. Hop, je change et j'augmente un peu. Voilà, à 2 mètres, l'aspect un peu original. Voilà, et là, nous pouvons lancer le rendu. On va lancer le rendu et voir comment ça se comporte. Voilà, allez. Et vous avez devant vous un rendu réaliste d'une boîte de Coca-Cola. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Prochainement, j'espère que vous pouvez faire ça plus mieux que ça aussi. Donc, si tu as aimé la vidéo, je te demande de partager, de liker et pourquoi pas t'abonner si tu es nouvelle à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être activé ou bien averti pour une nouvelle vidéo que je vais postuler.